Salut tout le monde, c'est Snipey44 pour aujourd'hui une vidéo un peu particulière, complètement différente de ce que je fais d'habitude. Donc dans cette vidéo, en fait, nous allons voir ce que donne un SSD dans une PlayStation 3. Alors pour ceux qui ne le savent pas, un SSD, qu'est-ce que c'est ? Si vous voulez, c'est une sorte de disque dur, sauf qu'il n'y a pas de mécanique dedans. Et de ce fait, le disque dur est beaucoup plus rapide. Donc voilà, j'ai pris un disque dur par contre assez bas de gamme, parce que pour la console, étant donné qu'elle fonctionne en SATA 2 au niveau des branchements, il y a un petit bridage là-dessus, hein. Faut savoir que maintenant on est passé au SATA 3. Donc voilà, j'ai fait un petit peu ce test. Donc en haut, nous avons en jeu, on a Tales of Grace F. Et en bas, nous avons Gran Turismo 5 Prologue. Et on va voir que le résultat est vraiment à chaque fois le même. Je vais vous laisser découvrir ça. En tout cas, il y aura une prochaine vidéo aussi pour vous montrer quelles seront les différences en jeu et pas que au niveau du temps d'installation. Je verrai si elle sort rapidement ou non, parce que j'ai vraiment eu beaucoup de mal à faire celle-ci. Faut savoir que je suis pas un expert au niveau du montage, hein, donc, mais les informations sont là. On voit clairement quel est le meilleur. Et puis voilà, je suis assez heureux du résultat pour le moment. C'est vrai que j'ai pas trop joué. Je me suis beaucoup attardé sur ce montage. J'ai bien galéré. Et en tout cas, je peux vous dire que le résultat est au rendez-vous. Alors je vais vous laisser patienter. Je vais arrêter de commenter le temps que en fait on voit l'avancement. Et je reviens vers vous dès qu'on aura un résultat. Voilà. À tout de suite. Me revoici. Donc on peut voir que un jeu, quand il est en disque dur externe, donc avec le disque dur de la PlayStation 3, parce que je l'ai mis en externe du coup, vu que le SSD est en interne, et bien tout simplement c'est la manière la plus rapide. Je suis assez étonné de ce résultat. Je pensais que le SSD seul allait être vraiment le SSD uniquement à droite là, je pensais que ça allait être lui le plus rapide, mais il y a quelques secondes de différence. Après, ça dépend peut-être aussi des jeux, parce que il faut savoir qu'un SSD, selon celui que vous avez acheté, a plus ou moins du mal avec des petits fichiers ou des grands fichiers. Donc ça, je pense que ça dépend du jeu. En tout cas, c'est quand même plus rapide qu'avec la version Blu-ray, qui est donc la version Blu-ray. Je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait, parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure.
Donc à gauche, c'est le Blu-ray vers le HD classique, c'est comme si c'était votre PlayStation à vous, non modifié avec le disque dur classique qu'il y a dans votre console. Donc c'est la version la plus lente, parce qu'après avec le SSD, on gagne un petit peu de temps en Blu-ray, mais pas énormément, je crois que c'est de 4 à 5 secondes. Et avec le SSD uniquement, par contre, on gagne vraiment pas mal de temps. Voilà, il y a à peu près, comme vous pouvez le voir, 1 minute 30 de différence quand le jeu est copié en externe et qu'il s'installe vers le SSD plutôt que le SSD installe tout en fait sur lui-même. Il est copié en interne le jeu. Alors pour ceux qui se demandent comment j'ai pu mettre un jeu en externe, etc., c'est tout simplement parce que je suis en custom firmware. Donc voilà, pas de panique, c'est normal. Par contre, tout le monde ne pourra pas le faire. Donc pour ceux qui ont juste une console normale et qui comptent mettre un SSD dans leur console, je vous conseillerais d'acheter un autre disque dur. Il me semble que la console supporte jusqu'à 750 Go maximum. Hein. Donc parce que les gains sont vraiment pas énormes quand le SSD est dans la console. Quand vous avez que un Blu-ray et pas une console en custom firmware mais en officiel firmware. Du coup voilà, par contre pour ceux qui ont une console flashée, on va dire ça, je vous conseille deux disques durs externes avec donc le SSD, on gagne vraiment beaucoup de temps et vous allez voir ça tout à l'heure quand le Blu-ray aura fini de s'installer. Donc le SSD uniquement aussi c'est plutôt pas mal, le résultat est plutôt bon, mais avec le disque dur externe c'est quand même vachement mieux. Allez, je vous redis à tout de suite, j'attends la fin des Blu-ray. À toutes. Comme on peut le voir maintenant, donc vous avez vu que avec le SSD, donc Blu-ray vers SSD, on gagne quelques secondes, mais franchement ça ne vaut pas le coup d'un achat si vous n'avez pas une console en custom firmware. Tout simplement, voilà, on gagne 3 secondes. Donc c'est vraiment pas intéressant au niveau, en tout cas pour Tales of Grace F. Maintenant. Je vais vous spoiler un petit peu le résultat du temps, c'est pas grave. Vous allez voir que
pour Gran Turismo 5 Prologue, donc qui se trouve en bas de l'écran. Eh bien, celui-ci, le Blu-ray vers le HDD classique, va être légèrement plus rapide. Donc, c'est un peu surprenant, mais c'est le cas. À mon avis, c'est parce qu'il y a beaucoup de petits fichiers. Et comme je vous ai dit précédemment, le SSD a parfois un peu de mal avec ceci. Donc, j'espère que moi, cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse patienter jusqu'à la fin de celle-ci parce que je n'ai rien à rajouter. J'espère qu'elle a pu vous renseigner. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je répondrai assez rapidement. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde !